La princesse de l'eau claire. Défi Chin-Chin, école Gadebois, alternatif Colibri 2021. La princesse de l'eau claire. Je suis la princesse Gigi. Mon royaume, c'est le ciel de l'Afrique, si vaste et si proche. Je peux presque toucher les branches pointues des étoiles. Je peux apprivoiser les chiens sauvages avec une chanson. Je peux faire onduler l'herbe haute quand je danse. Je peux inviter le vent à jouer à cache-cache. Mais je ne peux pas faire venir l'eau plus près. Je ne peux pas la rendre plus claire. Quoi que je dise, quoi que je fasse. Au petit matin, il fait encore sombre. Ma mère me réveille. Gigi, ma princesse, il est l'heure de te lever. Nous devons aller chercher de l'eau. Viens, oh, dis-je. Ne m'arrache pas au sommeil avant même que le soleil se lève. Viens, s'il te plaît. Mais l'eau ne m'écoute pas. Et je sais qu'il nous faudra marcher très loin jusqu'au puits. Je suis trop endormie pour mettre ma couronne. Je songe plutôt au pot qui reposera à sa place sur mes tresses. La soif arrive vite. J'ai les lèvres et la gorge sèche. Je ferme les yeux très fort. Je la vois claire. J'y trempe les orteils fraîches. J'y plonge les mains et la porte à mes lèvres. Lentement, j'ouvre les yeux. Rien. Je fais voler la poussière d'un coup de pied. Je prends mon pot vide et le place sur ma tête. Ma mère en fait autant et nous nous mettons en route, la tête pleine de chansons. Maman fredonne une mélodie. Nous marchons d'un pas léger. Nous tournoyons et rions ensemble. Nous avons des kilomètres d'espace pour danser. À mi-chemin, nous nous arrêtons au pied du karité géant. Le temps de ramasser une poignée de noix sucrées pour faire le plein d'énergie. Nous continuons notre danse. Encore un petit moment. Maman, on arrive bientôt? Enfin, j'entends l'eau qui coule du puits, des rires de mes amis et des bavardages de femmes. Certains sont venus d'encore plus loin que moi. Et nous retournerons chez eux qu'une fois le soleil couché. Maman garde notre place pendant que je joue avec mes amis. La danse se poursuit. L'eau continue de couler. Les pots se remplissent du liquide trouble et boueux. Viens, Gigi, viens maintenant. C'est à mon tour. Sur le chemin du retour, notre pas dansant ralentit et se fait prudent. Ma soif est aussi grande que le pot que je transporte. Notre chanson n'est plus qu'un murmure. Nos épaules sont endolories et nos pieds saisis de crampes. J'aperçois enfin notre hutte. Maman fait bouillir l'eau que nous boirons. Nous attendons. Nous lavons nos vêtements. Nous préparons les aliments à cuisiner. Bientôt, mon père arrive des champs pour boire et manger avec nous. Il me soulève de terre. Ma princesse, tu as rapporté de l'eau. Bois, dit maman. Enfin,
Chaque gorgée me remplit d'énergie. Je voudrais garder un peu d'eau pour plus tard, mais je ne peux pas. Je l'avale d'un trait. Une fois propre, j'offre une chanson au chien. Je danse avec les herbes hautes, je joue à cache-cache avec le vent. Maman m'apporte un dernier verre d'eau qu'elle a gardé, juste pour moi. Bois, ma princesse. Dors, ma princesse. Demain, nous marcherons de nouveau. Maman, dis-je en fermant les yeux, pourquoi l'eau est-elle si loin? Et pourquoi n'est-elle pas claire? Où donc est notre eau? Dors, répond-elle, et rêve. Un jour, tu trouveras une solution, ma princesse. Un jour. Je suis la princesse Gigi. Mon royaume, le ciel africain. La terre poussiéreuse. Et un jour, de l'eau en abondance. Fraîche et limpide. Un jour. C'est l'histoire de la princesse Gigi, la princesse de l'eau claire. Ici, ce que vous voyez, ce sont de vraies images. C'est tiré de la personne qui a écrit le livre. Imagine ta vie sans eau. Pas de robinet dans la cuisine pour remplir ton verre quand tu as soif. Pas de douche ni de baignoire pour te laver. Imagine que tu ne puisses pas aller à l'école parce que tu dois marcher pendant des kilomètres chaque jour, rien que pour aller chercher de l'eau, sans même savoir si elle sera bonne. C'est le quotidien d'environ 1 milliard de personnes dans le monde. Une personne sur 6 n'a pas d'accès à de l'eau potable. Cette crise a motivé l'action de la mannequin africaine Georgie Badiel pour donner accès à de l'eau potable aux gens dans le besoin. Durant son enfance au Burkina Faso, Georgie passait ses étés avec sa grand-mère. Chaque matin, Georgie ainsi que les autres filles et femmes du village marchaient pendant des kilomètres pour remplir d'eau des pots qu'elle rapportait afin que tous puissent boire, se laver et cuisiner. Chaque jour, il fallait recommencer. Georgie connaît bien la souffrance de ceux qui vivent sans eau potable et la bataille qu'ils doivent mener. Rien qu'au Burkina Faso, près d'un quart de la population n'a pas accès à de l'eau potable. Les maladies causées par l'eau contaminée et le temps consacré chaque jour pour aller la chercher, de l'eau potable, empêchent de nombreux enfants de fréquenter l'école, comme vous, chers colibris. La distance à parcourir quotidienne est de 6 km en moyenne, soit la longueur de 70 terrains de football. La princesse de l'eau claire est une histoire qui s'inspire de l'enfance de Georgie et de son désir d'avoir de l'eau à proximité de sa communauté. Avec l'aide de la Fondation Le Puits de Ryan, Georgie s'efforce de redonner ce droit fondamental qu'est l'accès à de l'eau potable, source de vie, aux habitants du Burkina Faso et au-delà. Nous espérons que cet album te sensibilise à la crise actuelle et qu'il te motive à faire partie de ceux qui veulent changer les autres, les choses. Alors, prenez soin de votre eau. Je suis la princesse Gigi, mon royaume, le ciel africain, la terre poussiéreuse. Un jour, de l'eau en abondance, fraîche et limpide. Un jour. Merci de votre écoute et de votre attention.